Alors, chapitre 5, le calcul relationnel. On a vu, d'habitude, normalement, il est fréquent dans les cours de basé de commencer par le calcul relationnel pour ensuite migrer vers l'algèbre relationnelle et terminer par le langage SQL. Comme vous connaissez le SQL, j'ai fait dans l'autre sens, on a vu l'algèbre relationnelle après. Et maintenant, retour aux sources, on va un petit peu voir le calcul relationnel et ses deux variantes. Le calcul relationnel est basé sur la logique du premier ordre. C'est pour ça qu'on en parle ici, qu'il est important de voir le calcul relationnel, parce que la logique du premier ordre, vous la rencontrez ailleurs que dans les bases de données, par exemple en intelligence artificielle. Et donc c'est pour ça qu'on passe un peu de temps sur cette thématique. Alors, logique du premier ordre, on appelle ça aussi le calcul des prédicats du premier ordre. Comme c'est un peu long, en plus court, ça donne calcul des prédicats. Alors, vous connaissez l'algèbre relationnelle. Dans l'algèbre relationnelle, on effectue des opérations dans le but de calculer le résultat d'une requête. Et donc, cet algèbre relationnel, c'est ce qui est utilisé dans les moteurs de requête, dans les GBDR. Voilà. Tandis que le calcul relationnel, c'est un langage prédicatif. Donc ici, le but, c'est de spécifier le résultat recherché et un peu moins comment le calculer. Même s'il est vrai que dans l'algèbre relationnelle, le langage SQL, le comment le calculer, on est quand même, on reste sur du déclaratif, c'est pas de l'impératif comme du C++ ou du Python. Mais ici, on fait encore une couche d'abstraction supplémentaire avec le calcul relationnel. Et de ce fait, il est dès lors plus simple que l'algèbre relationnelle. Le calcul relationnel est décomposable en deux langages différents. Il y a premièrement le calcul de tuple, des fois appelé le calcul relationnel de tuple. Pour les internationaux, le terme le plus connu, c'est le tuple relational calculus, donc le TRC. Et dans ce cas, dans ces expressions, les variables qu'on manipule sont des ensembles de tuples, donc des relations. Donc ce sont des lignes complètes qu'on manipule. Tandis que dans le calcul relationnel de domaine, ou bien le domaine relational calculus, le DRC, là, les variables sont des valeurs d'attributs. La date de naissance de truc, le prix de machin, et ainsi de suite. Donc, dans un premier, ce sont des lignes complètes de la base, enfin, l'équivalent de base de données qu'on calcule. Et dans le second, ce sont des valeurs de cellules. Plutôt que de faire un paquet de calques avec les opérateurs, les connecteurs logiques, je vous ai fait un tableau résumé d'entrée de jeu. Regardons la table de vérité que nous avons ici, deux entrées. On a donc les quatre combinaisons au niveau de cette table de vérité. Et ça ressemble assez bien à l'algèbre de Boole, surtout au début. La symbolique est juste un peu différente. Donc on a l'équivalent du nom A. Donc vous avez le symbole ici. Donc si A est faux, la sortie sera vraie. Si A est vrai, la sortie sera fausse. Vous avez l'équivalent du et. Il faut que A et B soient tous les deux vrais en même temps pour avoir une sortie qui soit vraie, sinon ça donne un résultat faux. Et alors on a le OU qui est là. Dès que l'un des deux ou les deux sont vrais, la sortie, la condition est validée, on obtient du vrai. Alors par contre, en logique du premier ordre, on a en plus le A équivaut au B qu'on a ici, donc c'est la double flèche. Et pour cet exemple-ci, ben, enfin pour le A équivaut B, ça veut dire que les deux doivent avoir exactement la même valeur, sinon c'est faux. Donc if A égale B, donc en pseudocode, then vrai, sinon faux. Et on a également le A implique B, donc c'est une flèche vers la droite, qui signifie, je vais vous mettre directement le pseudocode, donc si A est vrai, alors la sortie vaut la valeur de B. En fait, ça active le fait qu'on doit prendre la valeur de B. Et si A est faux, bah alors la sortie est vraie. C'est un peu particulier. Donc si A est faux, la sortie est vraie. Si A est vrai, la sortie vaudra la valeur de B. Ça, c'est le connecteur A implique B. C'est un petit peu comme ici, vous avez une porte logique.
avec un ou, où on aurait A en entrée sur la barre du haut, sur la première input, et B sur l'input du bas. Pour ceux qui connaissent les portes logiques, ça serait exactement la même chose. Alors, en logique du premier ordre, il y a évidemment tous les opérateurs de comparaison qui sont de la partie, comme d'habitude. On n'est pas en programmation, donc on peut se permettre des symboles un peu particuliers, donc il n'y a pas de souci pour le différent de. Voilà, c'est un égal barré. Et on a également les deux quantificateurs. On a le quantificateur universel pour tout, donc le A inversé, et existentiel, comme en mathématiques, quoi. Il existe au moins un tel que, voilà. Et donc avec tout ça, ben vous avez le langage complet de logique du premier ordre. Maintenant, nous allons voir comment exploiter tous ces opérateurs dans le premier langage de logique du premier ordre, qui est le calcul de tuple ou le calcul relationnel de tuple. Une expression en calcul relationnel tuple, à quoi ça ressemble? Ben voilà. Alors, on a une première partie qui sont les attributs retournés. Donc, on aimerait afficher l'idée article, le nom et le prix. Qui proviennent de quoi? Donc, on a un pipe entre les deux. Qui proviennent de quoi? Ben de la relation article. Et donc, on extraira de cette relation des tuples qu'on appellera A. Et s'il y a des conditions, des prédicats à satisfaire, ils viennent après avec un symbole et dans ce cas-ci, au début. Et ensuite, comme des requêtes conventionnelles, vous pouvez mettre des parenthèses, des et ou, des négations, ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, nous voulons les articles qui sont du type burger et d'un prix inférieur à 6, et nous affichons l'identifiant, le nom et le prix. Par rapport à l'algèbre relationnelle, les attributs retournés, c'est le pi pour la projection, et les prédicats, c'est sigma pour la sélection. Et par rapport au SQL, à gauche, nous avons le select, article, le from, et les prédicats après le where. On constate que la structure de la requête de calcul tuple correspond à l'ordre des choses à l'écriture d'une requête SQL. Alors, il est noté qu'il est possible de rencontrer donc les TRC, donc les calculs tuples, sous une autre forme, où on spécifie que A est un élément de la relation article, et ensuite ça permet d'extraire article entre parenthèses A de l'équation. Et voilà, sinon pour le reste, c'est très similaire. Personnellement, je préfère la première forme que la seconde. Mais voilà, comme ça, si vous rencontrez l'autre écriture, vous savez que en fait c'est la même chose. Comme nous sommes dans un cours de base de données, nous allons appliquer le calcul tuple à une opération de jointure. Et nous avons donc à gauche la relation article dans laquelle on a l'identifiant, l'identifiant type, qui serait donc une clé étrangère, les noms et les prix des différents articles. Et ensuite, nous avons la relation type avec les différents types d'articles. Alors, nous voulons dans notre quête afficher les noms, les attributs nom et prix de nos articles. Donc, on a le pipe, on va chercher les infos dans la relation article, et ensuite, on va faire une jointure avec le type, parce que ce qui nous intéresse, ce sont les produits de type burger. Donc, l'écriture, c'est, nous allons, un, rechercher dans la table article, et deux, vérifier qu'il y a des articles de type burger en utilisant ici l'opérateur et. Donc, on va chercher dans l'article, et. Pour lesquels il existe dans la relation type des tuples pour lesquels le nom est égal à burger et pour lesquels l'identifiant type correspond à l'identifiant type d'article. Si tel est le cas, alors A va exister. Et dans ce cas-là, on aura des données. Alors après la jointure, passons à la double jointure. Alors voici un exemple avec trois relations. Nous avons premièrement la relation voiture qui contient des véhicules.
la relation couleur qui contient les codes couleurs, et la relation intermédiaire qui est l'équivalent d'une table de jointure pour qu'une voiture puisse avoir une ou plusieurs couleurs et une couleur puisse être attribuée à un ou plusieurs véhicules. Nous allons afficher le nom et le prix des voitures grises. Alors l'expression en calcul tuple, la voilà. Nous allons bien chercher le nom des véhicules et le prix des véhicules, tel que le demandait plus haut. Le symbole pipe, et ensuite nous allons chercher ça dans la relation voiture, à condition que il existe dans voiture couleur et dans couleur des tuples dans couleur pour lesquels la couleur vaut gris et des tuples dans voiture couleur qui correspondent à l'identifiant couleur de la couleur où on a bien le gris, et ensuite des tuples dans voiture qui correspondent aux tuples qu'on aurait identifiés ici pour lesquels on a bien des véhicules de couleur grise. Voilà. Donc ça, c'est l'expression en calcul relationnel. Si toutes ces conditions sont remplies, V existe et alors nous avons bien des données à afficher. Alors c'est un peu particulier, vous remarquez qu'on a pu faire les deux conditions d'existence ici côte à côte, et on n'a pas dû faire les séparer avec un et. On peut mettre tout ça au même endroit. Alors autre petite spécificité, c'est que il n'existe que pour voiture couleur et couleur, car il n'y a aucune donnée qui sont de ces relations-là qui sont utilisées dans la sortie de l'expression. Si nous avions dû utiliser, je ne sais pas moi, le nom de la couleur dans la sortie, alors couleur n'aurait pas été là, mais ce serait mis après le voiture avec un et. Voilà. Donc, il n'aurait pas été dans la condition d'existence, vu qu'on voulait obligatoirement afficher quelque chose qui venait de couleur. Ici, ce n'est pas le cas. Nous n'affichons que des données qui proviennent de la relation voiture. Donc couleur est dans la condition existence et pas avant. Pour bien comprendre ce principe, voici un petit exemple. Donc avec une jointure simple où nous avons la relation article et la relation type. On a vu précédemment comment effectuer la jointure pour trouver les articles, par exemple de type burger. Donc vite fait, nous affichons le nom et le prix pour des tuples qui proviennent de la relation article et pour lesquels il existe dans la relation type des types avec le nom burger et une égalité vis-à-vis des clés. Alors ça, ici, nous avons bien la relation type qui se trouve dans la condition d'existence, mais si nous voulions en plus afficher le type le nom du type, donc le mot burger dans la sortie, alors ça change complètement l'expression. Vous voyez que maintenant type se met au même niveau que la relation article. Donc il faut lire l'expression comme ceci. Nous voulons afficher donc le nom, le prix et le nom pour les tuples provenant de la relation article et de la relation type. Et pour lesquels le nom du type est égal à burger, et pour lesquels il y a une égalité entre les deux idées types. Voilà, donc il n'y a plus le pour lequel il existe tel que dans l'expression précédente, car ici, ce sont des données provenant des deux relations qui sont utilisées en sortie. Si nous reprenons nos trois relations utilisées précédemment pour la double jointure, nous pouvons faire une expression qui veut utiliser le quantificateur universel. Donc on a vu le quantificateur existentiel précédemment. Maintenant, nous allons voir le quantificateur universel. Et en faisant une requête, on va rechercher le nom, les prix des voitures qui sont de toutes les couleurs. Donc s'il y a une voiture qui est à la fois gris, bleu et pourpre, si il n'y a que ces trois couleurs-là dans notre base de données, alors elle s'affichera dans nos résultats. L'expression, la voilà. Donc on a bien nos attributs ici pour la sortie.
Nous allons rechercher ça, ces attributs proviennent de la relation voiture. Et donc, nous allons rechercher le nom et le prix des voitures, à condition que, pour toutes les couleurs, il existe un tuple VC dans lequel on a bien l'identifiant de voiture qu'on est en train d'essayer de chercher et auquel correspond une couleur. Mais ça, pour toutes les couleurs. Donc, voilà, si jamais il y a une couleur, donc on est sur la voiture 4 par exemple, si jamais la voiture 4 elle est gris et pourpre, mais pas bleu, la condition ne sera pas validée. Donc, pour toutes les couleurs, il faut vraiment que la condition d'existence VC soit validée. Il n'y a pas d'exception. C'est un peu particulier, mais enfin, voilà la notation, et on retrouve ce fameux opérateur. Pour tout C, il implique qu'il existe dans voiture couleur un tuple correspondant au véhicule. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir cette expression. Passons maintenant au calcul relationnel de domaine. Alors, contrairement au calcul relationnel de tuple, où une variable, c'était un tuple, donc petit a, par exemple, donc on écrivait article entre parenthèses petit a, a représentait un ou plusieurs tuples, tandis qu'ici, dans le calcul de domaine, les variables, ce ne sera pas un enregistrement dans son entièreté, mais une de valeur d'un de ses attributs. Donc c'est ça qui fait la différence par rapport au calcul de tuple. Alors commençons avec un exemple. Donc si on recherche les noms des clients, qui de la relation client pour les clients qui ont plus de 30 ans, ben voici l'équation en calcul relationnel de domaine, enfin l'expression. Donc nous allons chercher dans la relation client des attributs, l'attribut nom, que nous renommerons CN, on gagne une lettre, et l'attribut âge, que nous renommerons CA. Et nous ne cherchons que ceux qui ont plus de 30 ans, et donc, c'est pour lesquels il existe un attribut CA qui vaut plus de 30. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, on affichera alors le nom. Voilà un petit peu comment décortiquer cette expression. Donc, nous allons rechercher la relation client, nous renommons les attributs nom et âge, et nous extrayons les données pour lesquelles il existe une valeur d'attribut âge plus grande à 30. Et dans ce cas-là, on affichera le nom. Alors, ça, c'est la syntaxe un peu longue. On peut l'écrire en plus courte. Il y a une syntaxe simplifiée où on fait omission du « il existe ». Voilà. C'est une syntaxe beaucoup plus courte. On peut directement mettre le prédicat ici dans les parenthèses. Et là, on a enlevé la condition d'existence. C'est tout aussi valable. Donc voilà, c'est la version simplifiée. Prenons un autre exemple, où nous recherchons par exemple l'email et le téléphone de Sophia Green, donc en version non simplifiée. Nous recherchons donc toujours dans la relation client, nous renommons le nom et le prénom, et l'email et le téléphone. Donc nous recherchons les informations à condition qu'il existe un nom qui soit Green et un prénom qui soit Sophia. Dans ce cas-là, on affichera le mail et le téléphone. En version simplifiée, ça nous donne ceci. Donc, il existe qui s'en va. Et la recherche vis-à-vis des prédicats peuvent être mis directement dans les parenthèses. Notez que nous ne renommons pas les attributs nom et prénom, car ils ne font pas partie des données que on veut extraire. Sinon, il aurait été bienvenu de les renommer.
Un exemple de jointure en reprenant nos relations classiques, donc la relation article et la relation type, et notre quête habituelle où nous recherchons le nom et le prix des articles de type burger. Nous allons donc dans la relation article, nous nommons l'attribut nom, l'attribut prix, et nous allons avoir besoin de l'idée type afin d'identifier les articles qui sont burger. Donc il y a la relation article et la relation type dans laquelle le nom doit être égal à burger et l'idée type, on le renomme en utilisant le même nom que dans la relation article. Le fait de lui donner le même nom que dans la relation précédente signifie qu'ils doivent avoir la même valeur. Et c'est ça qui fait, qui constitue l'opération de jointure en calcul relationnel de domaine. Car si vous regardez la condition d'existence, c'est on va rechercher des informations pour lesquelles il existe un TID qui permettra de faire cette jointure. Donc voilà. En l'absence de. Si par exemple, s'il y avait une valeur nulle dans article, ben voilà, on n'aurait pas eu de type correspondant dans burger et on n'aurait pas pu afficher le nom et le prix de l'article. Donc la jointure, ici, en calcul relationnel de domaine, est implicite. C'est le fait de nommer, donner le même nom à deux attributs qui en fait une jointure. C'est pour ça que le renommage, c'est pas juste comme en SQL un as pour renommer les colonnes pour faire joli. Ici, ça a vraiment un sens sur le fonctionnement de l'expression. Alors, pour comparer avec le calcul relationnel tuple, comme on a vu dans le sous-chapitre précédent, là, la condition en calcul tuple, elle est explicite. Donc ici, on doit bien mettre l'égalité de la clé étrangère d'article et de la clé primaire de type. Ça fait partie de la condition. Donc voilà où la différence se situe entre les deux. Et l'autre chose aussi, ben, vous voyez bien que dans le calcul de domaine, nous travaillons vraiment sur, suffit de voir au niveau du il existe, ici, nous travaillons sur des valeurs d'attributs, tandis que ici, nous travaillons sur des tuples. Donc, calcul relationnel de domaine, valeur d'attribut, calcul relationnel de tuple, des tuples. Passons maintenant à la double jointure, avec de nouveau nos voitures et nos couleurs. En voulant afficher comme précédemment le nom et le prix des voitures grises, voici l'expression en calcul relationnel de domaine. Donc, l'ordre des choses est un petit peu différent. Donc, voyons voir. Nous allons dans la relation couleur. On renomme l'attribut des couleurs en CID et couleur, on vérifie si c'est égal à gris. Donc déjà là, on va déjà filtrer, on va récupérer les couleurs, l'ID du gris. Et nous passons ensuite à la relation voiture couleur, dans laquelle on va renommer simplement les attributs VI. Et vous voyez qu'on renomme l'attribut ID couleur en CID, exactement le même nom comme dans couleur. Donc ça va opérer implicitement une première jointure. Là, on va déjà prendre plus que les tuples de voiture couleur qui correspondent à la couleur grise. Et nous allons ensuite dans la relation voiture. On renomme le nom en VN et le prix en VP. Et on renomme aussi l'ID en VI. L'ID, je vais prendre une autre couleur. On voit qu'on a mis exactement le même nom que pour la relation voiture couleur, ce qui va opérer notre double jointure. Et tout ça est donc mis avec une parenthèse ouverte tout au début et une parenthèse fermée tout à la fin. Et donc entre ces deux parenthèses, c'est précédé de pour lesquels il existe VI. Donc nous allons rechercher dans ces trois relations effectuer les jointures des données pour lesquelles il existe un VI, donc un identifiant de véhicule. Donc il arrivera à faire la double jointure une fois qu'il sera sur la deuxième table, enfin la dernière table, s'il trouve un véhicule correspondant. Et si tel est le cas, alors, pas de souci, on affichera le nom et le prix du véhicule. Donc la construction est assez particulière.
Cependant, si l'ordre des relations n'était pas le même dans l'expression, c'était pas dramatique. C'est vraiment l'égalité du renommage qui constitue la jointure. C'est surtout là-dessus où il faut faire bien attention et que la condition d'existence doit impacter quelque chose qui fait partie de la jointure, donc une des clés. Et pour terminer la partie consacrée au calcul relationnel de domaine, il nous reste à voir le quantificateur universel. Alors pour ce faire, nous reprenons nos trois relations avec voiture, voiture, couleur et couleur, et nous voulons rechercher, comme dans le sous-chapitre précédent, le nom et les prix des voitures qui sont de toutes les couleurs. Donc, est-ce qu'il y a un véhicule qui est gris, bleu et pourpre en même temps? Alors, l'expression, vous l'avez sous les yeux. Donc, nous recherchons dans la relation voiture, nous renommons l'ID en VI, le nom en VN et le prix en VP, et nous ajoutons comme condition, pour toutes les couleurs dans lesquelles nous renommons l'identifiant de couleur en CI, implique que dans voiture couleur, on trouve des données. Et donc ici, nous avons une jointure qui est faite implicitement entre l'identifiant de couleur de la relation couleur et l'identifiant couleur de la relation voiture couleur, et une seconde jointure implicite avec l'identifiant voiture qu'on a renommé de la même façon que dans la relation voiture. Et donc notre condition d'existence, on va l'appliquer sur l'identifiant de voiture. Car si on prend la requête, donc on va aller chercher dans voiture un véhicule et on va vérifier si pour toutes les couleurs, il existe dans voiture couleur, on retrouve cet identifiant de voiture. Si tel est le cas, alors pas de souci, on affiche le nom et le prix du véhicule. Par contre, si on ne retrouve pas cet identifiant de voiture pour toutes les couleurs, on ne l'affichera pas. Donc cette construction est très similaire au calcul relationnel tube qu'on avait vu avant. Et oralement, je ne sais pas si vous avez noté, à un moment donné, j'ai dit, à cet endroit-ci, j'ai prononcé il existe. Et or, il n'y a pas, il y avait dans le calcul relationnel tube, ici on écrivait il existe. Voilà, donc le quantificateur universel s'utilise un petit peu de la même façon qu'en calcul relationnel tuple, sauf que la condition d'existence, elle se met ici en amont de l'expression. Alors, arrivé à cette étape-là, généralement, je demande aux étudiants de, tiens, et faisons un peu une requête, une expression. Comment trouver le nom et le prix des voitures qui sont sans aucune couleur? Bon, ici c'est en vidéo, donc je donne la réponse tout de suite. Alors, nous allons dans la relation voiture, on renomme de nouveau comme d'hab l'identifiant, le nom et le prix. On voit que c'est bien le nom et le prix qu'on affiche. Et on rajoute donc la contrainte que pour toutes les couleurs, dans la relation voiture-couleur, j'ai un identifiant de voiture différent de mon identifiant de voiture. Et alors, on n'oublie pas qu'il faut quand même, on a quand même besoin d'identifiant de couleur pour pouvoir écrire notre condition pour toutes les couleurs. Voilà comment il y a moyen de faire cette expression en utilisant le calcul relationnel de domaine. Bon, en termes d'outils en base de données, c'est clairement pas ce calcul relationnel tuple et calcul relationnel de domaine, c'est clairement pas le plus utilisé. Donc c'est clairement le SQL. Ensuite, l'algèbre relationnelle comme langage de conception. Ma foi, celui-ci peut éventuellement être utilisé comme langage de conception. Ça dépend un peu de vos affinités. Voilà, c'est des fois plus court d'écrire quelque chose avec cette syntaxe qu'avec l'algèbre relationnelle, et des fois pas. Donc, ça dépend un peu de votre public aussi. Mais
Comme ça, vous avez vu un peu les trois langages, je vais dire en guillemets de requêtage, liés aux bases de données relationnelles.